Denis Diderot. Contrairement à Voltaire, Diderot ne fréquente pas l'élite aristocratique. Il est célèbre pour avoir supervisé la rédaction de l'encyclopédie, le symbole de l'œuvre des Lumières. Mais à peine s'est-il lancé dans ce vaste projet qu'une autre de ses œuvres est visée par la censure. En 1749, Diderot a été emprisonné au château de Vincennes, peut-être dans cette cellule. Il avait osé écrire un livre dans lequel il affirmait que le savoir venait des sens, et non d'une révélation divine. Pour le roi, c'était une provocation qui justifiait son arrestation. Mais son incarcération l'éloigne surtout de son grand projet, l'encyclopédie, qu'il venait juste de commencer. Il veut rassembler la crème des intellectuels de son époque et produire une série d'ouvrages sur la philosophie et les idées, mais aussi sur les arts et métiers, expliqués dans les moindres détails. Jusqu'à présent, personne n'a jugé utile de compiler ses connaissances pratiques. Mais Diderot et les encyclopédistes s'intéressent aux gens ordinaires, ceux que nul n'a jamais pris la peine d'écouter. En s'intéressant aux activités manuelles, l'encyclopédie a donné ses lettres de noblesse aux artisans, à une époque où seuls les aristocrates jouissaient de considération. Un intérêt dû au fait que Diderot était originaire de province, de Langres en Champagne. Son père y était coutelier et forgeait des lames. Il était très doué et voulait que son fils prenne la relève. Mais au bout d'une semaine, Diderot a compris qu'il n'était pas fait pour cela. Ce qui ne l'empêchait pas d'être fier de son père et de son métier, fier qu'il produise quelque chose de ses mains, soit tout le contraire du clergé et de l'aristocratie qui gouvernait la France. La prison ne décourage pas Diderot et n'émousse pas non plus ses opinions radicales. Mais il réalise que son projet va scandaliser les autorités, en particulier l'Église. Il ne fallait pas être trop subversif, car à cette époque, vos paroles pouvaient vous valoir l'emprisonnement, mais aussi la mort, de manière extrêmement barbare parfois. Au vu des enjeux, Diderot doit rivaliser d'ingéniosité pour déjouer les censeurs. Ici, par exemple, dans le système des connaissances humaines, si vous regardez bien, vous voyez que la théologie figure tout en haut. C'était évidemment pour plaire aux censeurs. Mais au chapitre de la religion succède immédiatement celui de la magie noire. Même la table des matières a un sens caché. Dans le monde de Diderot, il n'y a pas de place pour la foi en un dieu, quel qu'il soit. Il dissimule ses attaques contre l'Église, notamment dans un système de renvoi qui, par exemple, associe Eucharistie et cannibalisme. Son esprit et son audace lui attirent des inimitiés, mais aussi des amis, dont fait partie Madame de Pompadour, la maîtresse du roi. On la voit ici représentée avec un exemplaire de l'encyclopédie. Grâce à ses amis haut placés, Diderot quitte son cachot au bout de 3 mois. Le roi et les censeurs considèrent désormais le grand projet de Diderot comme une activité potentiellement très rentable. Malgré le harcèlement de l'Église, les encyclopédistes consacrent les 26 années suivantes à mettre au monde leur grande œuvre. +20 millions de mots pour 28 volumes. Chaque caractère est placé à la main pour composer une phrase. On fait appel à des centaines de typographes, de tanneurs, d'imprimeurs et de relieurs.
Diderot a payé le prix fort pour donner naissance à son encyclopédie. Il a fait 3 mois de prison, mais en 1751, il la tient enfin dans ses mains. Le premier volume connaît un succès foudroyant. Son incarcération et l'encyclopédie l'ont rendu célèbre, et c'est ce qu'il voulait. Il reçoit même une lettre de félicitations de la part de Voltaire, qui le surnomme le Socrate moderne. L'œuvre monumentale de Diderot a rempli sa mission, apporter respect et reconnaissance aux petites gens. Mais la plupart n'auront jamais l'occasion de lire l'encyclopédie. L'encyclopédie était un livre très cher. Il coûtait quelque chose comme 980 livres. Sachant qu'un artisan de l'époque gagnait au mieux 15 livres par semaine, il n'aurait jamais pu se l'offrir. Les lecteurs étaient essentiellement issus de l'élite sociale. Et même pour ceux qui en ont les moyens, acheter un livre peut s'avérer risqué. Au XVIIIe siècle, la moitié des livres publiés en France étaient interdits et vendus sous le manteau. L'encyclopédie elle-même a été bannie durant plusieurs années. Mais pour citer Diderot, un livre interdit est un livre lu. Diderot constate que la polémique sert l'encyclopédie. Et malgré les risques, son succès dope l'industrie de l'édition. Alors que l'apprentissage de la lecture se généralise, toutes les couches sociales ont désormais accès aux idées, à l'information, au vaste monde. Diderot, qui voulait diffuser la connaissance partout dans le monde, est sur le point de voir son rêve exaucé. Mais l'Église contre-attaque. Son chef suprême, le pape, condamne l'encyclopédie et ordonne qu'elle soit brûlée. Il déclare que tous les catholiques qui la liront connaîtront la damnation éternelle.